6h15 du matin. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui c'est Vlogtober. Oui, je me suis un peu redressée parce que ça me faisait un triple menton là. Alors, oui, c'est Vlogtober. Donc, vendredi 1er octobre. Donc, comme des milliers de gens aujourd'hui, j'ai décidé de faire Vlogtober. Et j'en suis très contente. Ah, par contre, c'est pas la grande forme. Hein. J'ai dû me coucher vers minuit et quelques. Je me suis réveillée à 5 heures. J'ai essayé de me rendormir, mais il n'y a pas moyen. J'ai déjà eu le temps de regarder le vlog de août septembre de Margeva. Je vais peut-être faire un petit peu de tricot en regardant un autre podcast. Oui, je suis toute seule. Je suis toute seule. Hier, jeudi, j'ai amené mon mari à la gare. Quand mon mari travaille dans l'informatique, mais il a un groupe de musique. Ils ont un niveau vraiment professionnel. Hein. Et donc, ce soir et demain, il a deux concerts. Une baby shower et un concert dans un club de tennis et en région parisienne. Donc je suis toute seule jusque dimanche. Il revient avec ma fille Margot, ma cadette. Qui elle est en stage parce qu'elle prépare un diplôme d'habilleuse et elle est en stage dans un théâtre en ce moment. Et donc les jours off, c'est lundi et mardi. Donc elle vient nous voir un petit peu. Et là, je squatte la chambre de ma fille. Quand je suis toute seule, généralement, je squatte la chambre de ma fille. Donc je suis en Normandie. Comme c'est Vlogtober, vous risquez de me voir souvent en pyjama. Surtout quand je me suis réveillée à 5 h du matin. J'ai un peu de mal à trouver le chemin de la douche. Je traînouille. Il est 8 h et quelques. Je m'étais dit, je pourrais peut-être me présenter. Pour inaugurer ce Vlogtober, sauf que se présenter en pyjama, c'est pas terrible. Alors, au programme de ce matin, je vais pas prendre ma douche tout de suite. Hier, j'ai terminé mon vlog de septembre, dans lequel je vous annonce que je fais Vlogtober. Et comment? Et donc là, je vais le mettre sur YouTube. Et j'ai déjà eu des soucis avec YouTube.
peut-être de ma faute, mais il m'est arrivé de visionner des vidéos, mes vidéos sur YouTube et de me rendre compte qu'il y avait des passages en accéléré qui n'étaient pas à l'origine accélérés. Donc maintenant, je vérifie toujours avant de mettre en ligne. Donc comme mon vlog fait 1 heure, je vais devoir me taper 1 heure de vlog. Bon, je vais peut-être. Ah non, je sais ce que je vais faire. J'allais dire, je fais tricoter, mais non, je vais mettre tous les liens sur mon ordinateur, tous les liens du vlog sur mon ordinateur, enfin, sur mon blog. Oui, je fais toujours ça. Je mets les liens de ce que je parle sur mon vlog. Et puis après, bah, je mettrai en ligne. Et après, je prendrai enfin ma douche. Coucou. Ça a été beaucoup plus long que ce que je pensais. La mise en ligne sur YouTube. À 13h. À 13h, j'ai fini. Alors, étant donné que je me suis réveillée à 5h du matin. Je crois que je mérite bien une petite sieste. Surtout que j'avais prévu d'aller chez Ikea. Et ça me dérange un peu d'y aller demain. Parce que demain. Qu'est-ce que je veux dire? Demain, c'est samedi. Et demain, il va y avoir beaucoup de monde chez Ikea, à mon avis. Et puis, c'est pas ça, c'est que. Demain, j'avais prévu de ranger, de trier mes affaires, parce que on retourne en région parisienne jeudi matin, je crois. Donc, faut que je range un peu la maison, faut que je fasse le ménage. Donc, je vais manger, je vais faire une petite sieste. Et puis, je vais essayer d'aller chez Ikea. Oui, j'ai oublié de vous dire. Dans mes vlogs, je filme jamais ici. Parce qu'en fait, je déteste le marron de cette porte. Et en fait, à la base, cette maison, c'était une maison de vacances. Avec le confinement, on y est venu plus en plus et on a fait beaucoup de changements depuis depuis les confinements. On était même motivés pour peindre les fenêtres et je suis plus trop motivée. Et puis maintenant, mon mari parle de carrément les changer, donc je suis encore moins motivée. Bon, bah, on va dire que niveau maquillage, ça va. Hein. Je vais pas mettre de fond de teint et de rouge à lèvres pour aller faire une sieste. Voilà. Hop, ça ira pour aujourd'hui. Changement de programme. Il pleut. Il n'arrête pas de pleuvoir. Comme je vous dis qu'en ce moment c'est pas la grande forme et que j'ai pas beaucoup siesté, je préfère me ménager et aller tôt demain chez Ikea. Là pour l'instant je vais lire un peu. Donc je vais avancer un peu la manche de Kerry. Changer de câble, c'est en option. Il faudrait que je change de câble aussi. J'ai pris
J'ai pris le câble que j'avais sous la main l'autre jour. Et en plus, j'ai, il me semble que j'ai d'autres petits câbles. N'importe quoi. Enfin, bref. Donc, finir la manche du Kerry de Marie Amélie Design. Enfin, je vais pas la finir aujourd'hui, hein, franchement. Mais bon, d'avancer un peu. Là, je pense que j'en suis à 6 rangs avant les premières diminutions. Mais bon, il y a un truc que je trouve bizarre, c'est que j'ai l'impression que là, cette manche est plus large que l'autre. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Donc, je vais continuer à lire 22-11-63 de Stephen King. J'avance doucement. C'est un pavé de 1000 pages, mais j'avoue que quand je me mets dedans, j'ai un peu de mal à le lâcher. Je sais pas si vous connaissez l'histoire. Je vais essayer de regarder sans vous spoiler. En fait, c'est l'histoire de Jack Epping, qui est un professeur d'anglais et qui découvre. Je ne vais pas non plus vous spoiler parce que c'est pas dit dans la quatrième de couverture. Qui découvre, je ne vous explique pas comment, une faille spatio-temporelle. Et donc, à chaque fois qu'il emprunte cette faille spatio-temporelle, il se retrouve le 11 septembre 1958. Il se trouve le jour du 11 septembre 1958. Et donc, comme vous pouvez deviner, c'est un rapport avec le 22-11-63, la date de l'assassinat de JFK, John Fitzgerald Kennedy. Et donc, ce qui explique un petit peu que le livre fait 1044 pages. Parce que s'il débarque en 58 et qu'il a rendez-vous avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, il va se passer beaucoup de choses. Il s'est déjà passé beaucoup de choses. Mais c'est tellement bien, tellement bien. J'étais fan, quand j'avais 20 ans, j'étais fan de Stephen King. Je crois que les trois sages, je les ai dévorés en 2 semaines. Enfin, à l'époque, j'étais étudiante et j'avais un job d'été et j'avais beaucoup de RER. Et quand j'entendais que c'était mon arrêt de RER, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée de me dire, mais ça y est, j'ai pu le lire de toute la journée. Je crois que je le lisais matin, midi et soir, ce livre. Et après, j'en ai lu 3 tonnes de Stephen King, jusqu'au jour où je me suis dit, il faudrait peut-être passer à autre chose quand même. Il y a peut-être d'autres écrivains que Stephen King. Et donc, 30 ans plus tard, je reviens à Stephen King. Il me plaît tellement que je vais peut-être regarder ce qui est sorti depuis. Je crois que le dernier que j'ai lu, le dernier livre que j'ai lu de Stephen King, c'était peut-être Insomnie. Donc je vais peut-être regarder ce qui s'est passé entre Insomnie et celui-ci. Apparemment, il fait pas. Il n'y a pas que des livres d'horreur. Enfin, moi j'ai lu Shining, ça, Bazar, Cimetière, Marche aux crèmes, un truc un peu glauque. Apparemment il y a d'autres choses, je crois, Surface ou des livres qui ne sont pas glauques chez Stephen King. Voilà, donc je vais lire un peu, histoire d'émerger un peu. Je vais tricoter un peu. Et puis, histoire d'être un peu productive, aujourd'hui, je vais peut-être commencer le chat dont j'ai fait la toile, dans le vlog précédent.
Voilà. J'étais en train de tracer les gabarits sur le tissu pour faire mon nouveau chat, mon nouveau personnage. En fait, ça c'est une toile que j'ai fait dans un tissu à 1,50 € chez Ikea. C'est toujours la toile que j'utilise. Enfin, le tissu que j'utilise pour faire les toiles de personnages. Et donc là, je trace sur le tissu le temps que mon repas chauffe. Et voilà. Je crois qu'on va clôturer là. Demain et après-demain, je ne sais pas si je vais publier. Je vais filmer, mais. Je sais pas si je vais publier. Donc demain je vais publier aujourd'hui, le premier jour de l'octobre, mais je ne sais pas si dimanche je publierai samedi. On verra. Sinon je ferai lundi, je publierai samedi et dimanche. Moi ça m'a bien amusé de vous parler un peu de temps en temps. J'espère que j'ai pas trop parlé. J'ai eu l'impression d'en dire trop. Contrairement à mes vlogs, d'habitude j'ai l'impression de pas en dire pas assez. Là j'ai l'impression que je me suis un peu trop dévoilée. Bon. C'est pas grave, hein. C'est mon premier vlogtober. Je vous laisse. Et puis je vous fais des bisous. Au revoir.